Brûlez vos regrets. C'est un exercice que je fais dans certaines de mes retraites avec des entrepreneurs, euh, et je, je voulais vous donner cette astuce parce qu'elle fonctionne très bien. Alors hors du contexte, vous auriez besoin d'explications, mais euh, à vous de voir ça va ou pas. Ça s'additionne. Hein. Et puis il y en a certains qui vont dire il y a cet exercice qui fonctionne bien chez moi et un peu moins l'autre. Mais brûlez vos regrets. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris une mauvaise décision, par exemple, je donne un exemple, et vous regrettez. Eh bien, vous pouvez noter la mauvaise décision qui a été prise, vous pouvez l'inscrire sur un papier, et rien que le fait que de, de l'externaliser, déjà, ça vous aide à casser euh, la déprime. C'est le fait d'intérioriser qui vous rend malheureux, souvent de ruminer, et les femmes sont très fortes pour ça. Autant l'homme, il arrive à, à, à couper un peu lorsqu'il arrive à la maison. Mais la femme elle a un cerveau qui est ainsi fait, ça tourne en permanence. Donc ça marche encore plus avec les femmes. Vous écrivez ça sur une feuille, et vous mettez ça dans une enveloppe, et vous la brûlez. Alors, si tu peux pas la brûler, vous la déchirez, par exemple. Et ça fonctionne très bien. Et ça, ce n'est pas uniquement, euh, tu vois, euh, chez Disney. Oh, la conte de fées, j'adore ça. Ah, ça va être génial. Ah hein, oui, c'est bien. On s'aime tous. Non, il y, y a vraiment eu des, des, des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment dans l'Université euh, nationale Business School à Singapour. Et c'est le chercheur Guoping Li qui a démontré cela avec plusieurs groupes, qui se sentaient vraiment soulagés après avoir brûlé ou déchiré cette enveloppe sur laquelle ils avaient inscrit ce qui leur pesait sur le cœur, et notamment en l'occurrence de mauvaises décisions et des regrets.